épisode de la Critique Sauvage, j'ai envie de dire Sartek Roya parce qu'on va parler de... Vas-y, je bois un petit coup de thé. Eh oui, on est un petit peu à la bourre. Tout le monde a déjà craché dessus depuis plus de 15 jours. Et pourtant, bah c'est pas si dégueulasse. Comment c'est possible? Le mec a pas aimé les Frères Sisters, crache sur à bras ouverts et Gangsterdam, et il a trouvé à la 2 pas si mal que ça. Et bah c'est peut-être parce que justement, on m'a trop bourré le mou avec le fait que c'était une merde et que j'ai été surpris de voir que c'était pas tant le cas que ça. Et si vous pensez que c'est la pire merde du cinéma français de cette année, c'est justement là où vous vous trompez. Alors évidemment, c'est pas parfait. C'est pas un chef-d'œuvre ni une bonne comédie, ça reste de la merde, mais de la merde qui a le goût de foie gras de temps en temps. Eh oui, baba! Pas comme Taxi 5 sorti en avril dernier, qui lui était une ratatinade totale, qui tapait sur les nains, les homosexuels, avec des gags à base de caca, pipi, vomi et compagnie. C'était de la merde. Et d'ailleurs, le premier, Aladdin, les nouvelles aventures d'Aladdin, réalisées par Arthur Benzaken en 2015, c'était ça! Ça tapait sur toutes les communautés, mais avec un humour beauf au possible, ah, du bitume, où le seul truc à sauver était William Leggill, qui... William Leggill... Oh merde, j'arrive pas à le dire. Le fameux compère de Kev Adams depuis Soda, qui là, pour le deuxième, a préféré aller tourner première année. Et je sais pas s'il a bien fait, parce que finalement, le 2 est mieux que le 1. Les effets spéciaux sont plus réussis, ils font beaucoup moins de chipos, la réalisation est plus dynamique, il y a au moins des mouvements de caméra stylés, des trucs un peu recherchés, des choses qui mettent en valeur les décors, les costumes, on voit qu'il y a du pognon, et il arrive à gérer tout ça, Lionel Stechetti. Alors Lionel Stechetti, qui c'est? Qu'est-ce à con Lionel Stechetti? Et bah c'est un ancien assistant réel de James Hutt, notamment sur Elphone et Lucky Luke, et aussi sur Fatal de Michael Youn, qui après s'est lancé dans la réalisation avec Thomas N'Gijol et Fabrice Eboué avec Casse Départ en 2011, et... Le Crocodile du Botsanga, cette fois-ci seulement avec Eboué, en 2014. Et qu'est-ce qu'il a fait après Lionel Stechetti, vous allez me dire? Eh ben pendant que Fabrice Eboué est allé tourner Coexister en solo, lui, il a fait les nouvelles aventures de Cendrillon. Ha ha! Qui était une merde infâme, j'ai même pas tenu jusqu'au bout, ma gueule! Et là, quasiment la même équipe revient avec Aladdin, si ce n'est qu'ils ont rajouté Ramzi Bedia et Jamel Debbouze en tête d'affiche, et ça raconte quoi, Aladdin? On a du fait que le titre, on dirait un pari raté entre les producteurs, le scénariste et le réal. Ça veut dire qu'il va y avoir Aladdin 3, frère. Vas-y, il va y avoir Aladdin 3, Aladdin 4, l'histoire, c'est simple. Sam, interprété par Kev Adams, raconte une histoire à un enfant dans un avion, puisque cet avion va le mener au mariage de son ex-copine qui va se marier avec Jamel Debbouze. Et lui, il veut annuler ce mariage. Et donc, il va servir des éléments de sa vie à lui pour les tourner en dérision dans l'histoire d'Aladin. Je suis venu en 1, prendre Bagdad. En 2, j'ai posé ta faim. De toute façon, c'est le même principe que dans le premier opus. Sauf que, petit détail important, et c'est un enseignement que Dave Cohen, le scénariste, a retenu de Cendrillon, c'est... de marier vraiment le réel et l'histoire ensemble pendant le film. Alors que dans le premier épisode de Aladdin, on découvrait l'identité des véritables personnages dont il s'inspirait qu'à la toute fin du film. Et donc ça n'avait strictement aucun intérêt puisque les enjeux dramatiques, on les connaissait pas. Là, on les connaît dès le début. Là, au moins, c'est un peu plus construit. Maintenant, Aladdin, c'est un film qui carbure à 5 blagues toutes les 10 secondes. Donc forcément, là-dedans, il y a de la merde. T'es un génie génial. Vous êtes un maître. 90. À un moment, ils sont obligés de se cacher dans la lampe magique et Kev Adams dit « Oh, il fait chaud ici !» Et Eric Judor dit « Oh bah oui, parce que j'ai un deal avec EDF, je fais 2-3 pubs pour eux, du coup, ils me chauffent toute l'année. » C'est que des références à la culture bas de gamme et à leur propre carrière et ça en devient saoulant. On a l'impression d'un film Hanouna, quoi. C'est « On fait des bagues !» Dans ces moments-là, nous, on se fait chier. C'est pas le mieux qu'il y a dans le film. Là où le film est le plus intéressant, c'est dans les dialogues de non-sens. Par exemple, ils reprennent le personnage de Jean-Paul Rouve qui jouait le méchant, donc le vizir, dans le premier, et qui là se retrouve enfermé en prison. Et il demande une espèce de remise de peine à Jamel Debbouze, et il y a tout un espèce de dialogue absurde qui dure 5 minutes, et c'est là où le film fonctionne le mieux, finalement. C'est dans cet humour plein de vers, plein de répliques qui pètent, qui sont vraiment intéressantes et qui sont drôles. Eric Judor m'a fait mourir de rire, dès qu'il ouvre la bouche, c'est drôle. Même les pires jeux de mots... Ok, on fait quoi, là? Tu me fais confiance? Bien sûr que non. Ça marche. Aladdin, Aladdin. Le personnage incarné par Vanessa Guide est beaucoup plus exploité que dans le premier. Dans les nouvelles aventures d'Aladdin, c'était juste une nana qui balançait ses lolos, et puis qui avait 2-3 réplique et ça s'arrêtait là. C'était juste pour faire un comparatif avec Audrey Lamy qui était traitée de moche pendant tout le film et qui jouait sa servante, et voilà, c'était le seul gag du film, elle servait qu'à ça. Là au moins c'est une femme qui existe, qui a du tempérament, qui a du cran, qui se laisse pas faire par Jamel Debbouze. C'est qui celle-là? Il y a une amie qui vient d'Izzy Vilaine pour me rendre visite. Moi finalement ce que je reproche le plus à Aladdin,
c'est Jamel Debbouze. Il fait du show de Jamel qu'on connaît et qu'on a déjà vu ailleurs. Mets-moi cette aladin droit. Oh non ! Et prends-moi une baguette. Mais il y a quand même Ramzy qui est sobre tout au long du film, n'en fait pas trop, ne vit pas sur ses acquis de comédie et propose un vrai personnage qui fait avancer un minimum l'intrigue. Reste qui, vous me direz ? Bah, il reste the last but not the least, Kev Adams, la star du film. Même si c'est vrai qu'il met beaucoup en avant son corps, ses pecs, et que parfois on a l'impression qu'il tourne une pub pour Tahiti Douche, il est pas dégueulasse dans ses intentions de jeu, c'est comme Jamel, c'est juste que il a des espèces de tics, de comiques, de stand-up qui sont un peu usants à la longue. Je trouve qu'il y a beaucoup de second rôle qui marchent, notamment Boudère, notamment Wahid du Jamel Comedy Club. Alors ok, tout ne brille pas par sa finesse et par son sens de l'esthétisme ou de la comédie ou de la manière de diriger un scénario. C'est clair, c'est bâclé par moments. Si vous avez envie, comme moi, d'aller un peu à l'encontre de tout ce qui se dit, vous allez voir que à la 2, c'est pas une énorme bousasse comme j'ai entendu. Énorme merde. Réveille-toi, mon frère. Je sais pas, la pire merde que j'ai vue au monde. Mais t'as pas vu Thème de Patrick Sébastien, toi, c'est pas possible. Ah, la critique sans lâche est terminée pour aujourd'hui, ma gueule. Promis, la prochaine fois, on fait un très bon film. En tout cas, on se retrouve prochainement, ça c'est sûr. En attendant, rendez-vous sur notre page YouTube Production Lagrange. On vous fait des bisous partout. Vive le cinéma et vive la France.